le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté à la rencontre des populations de Dibrika dans le cadre de la semaine de la citoyenneté et de la paix. Cette tournée citoyenne a conduit Khalifa Gassama Diaby et sa suite, c'est le préfet, mais aussi à la radio rurale locale de Dibrika pour sensibiliser les citoyens sur des comportements à adopter vis-à-vis des autres. Le ministre a dit sa satisfaction quant à la mobilisation des citoyens. Vous avez vu la mobilisation de nos concitoyens sur le terrain à travers des initiatives soit personnelles, soit avec des groupes d'individus ou des ONG qui ont été mobilisés à travers le pays, à Conakry, mais aussi dans les 33 préfectures, pour poser des actes citoyens qui rappellent aux citoyens que la citoyenneté, c'est la liberté, mais aussi la responsabilité. Nous sommes très satisfaits de cette journée. Partout où il est passé, Gassama Diaby a été reçu à bras ouverts par les citoyens. Pour lui, la semaine de la citoyenneté ne doit pas être périodique, mais habituelle dans la vie quotidienne de tout un chacun. C'est encourageant, c'est extrêmement encourageant. Ce que nous souhaitons, c'est que cela ne soit pas simplement des actes d'un jour, c'est que cela rentre dans les habitudes, dans les comportements, pour pouvoir perpétuer cela, surtout dans la vie quotidienne. Le civisme, c'est quotidien. Ce n'est pas simplement pendant la semaine ou en une journée, ça doit rentrer dans nos habitudes de tous les jours, dans l'intérêt de la nation guinéenne. À Dibrika, beaucoup d'actions citoyennes sont prévues au cours de cette semaine, a dit le préfet. Il reste tout de même convaincu que cela soit une réalité sur le terrain. La sensibilisation dans les écoles, pour les tout-petits, au niveau des collèges et au niveau des lycées, même à l'université de Beaux-Arts de Dibrika. Donc il fallait sensibiliser la population. Et la journée d'aujourd'hui, vous-même, vous avez constaté l'état de notre 5 km du rond-point jusqu'au centre-ville ici. Donc la mobilisation était là, les gens étaient fortement mobilisés pour faire des actes de citoyens. Cette tournée du ministre Gassama Diaby ce jeudi a été clôturée par un concert qui a eu lieu au rond-point de Hamdallaï, où plusieurs artistes et comédiens ont aussi apporté leur grain de sel au projet dénommé la semaine de la citoyenneté et de la paix.